Morgen, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le lundi, François, j'ai ben Trana, j'ai une rue, Batforto, Mazel Fritna, Claude, Chombo, Ben Shalom, et Ishaya, Ben Linda, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet P.A. Perikvav, Perikzaïn, Mishnah Aleph. Kol Zaït Sheyesh lo Shem Basade. Afilou, Ke Zaït Anetofa Beshaato. Ushchacho, Eino Shichecha. Bamed Varim Amorim, Bishmo, Ubemaasav, Ubimkomo. Bishmo, Shaya, Shifroni, Obeshani, Bemaasav, Shewosearbe, Bimkomo, Shewomed, Betsada Gat, Obetsada Pirza. Ushakol Azetim, Shnaim Shechecha, Ushrocha Ean Shechecha, Rabbi Yossi Omer, En Shechecha, Lazetim. On va mettre le focus dans notre Mishnah, on a d'ailleurs trois Mishnayot sur ça, on va parler de la Shechecha dans les oliviers. Soit, d'abord, ça remplit les conditions, on est imposé de shechecha, même lorsque je cueille mes olives. Il y a les olives que j'oublie sur l'arbre, ou les olives après que je ramasse en petit tas, et qu'après je ramasse plus, je les laisse, et je laisse un tas par terre. Alors, c'est shayach, il y a les halachot de shechecha. D'accord? Maintenant, malgré tout, il y a une certaine particularité, parce que lorsque je cueille, ça démarre d'une différence concrète, qui va avoir forcément des conséquences violentes. C'est que lorsque je cueille un champ de blé, alors un champ de blé, on a plein d'épis, il n'y a pas de différence fondamentale entre chaque épi, il y a une quantité très abondante d'épis, je vais tout faucher et faire des gerbes et tout ramasser, et puis après, d'accord, ça c'est un champ de blé. Mais les oliviers, alors, en général même tous les arbres, mais on parle des olives surtout par rapport à la fin de la Mishnah, par rapport à Rabbi aussi, ou les arbres en général, ils sont quand même, il n'y a pas une quantité phénoménale d'arbres, je cueille tous les arbres. Il y a chaque arbre, je passe dessus une petite demi-heure, je grimpe dessus, je vais cueillir des fruits, je les fais tomber par terre, après je les ramasse, après je passe à un autre arbre. D'une certaine manière, pour le moment, on considère que chaque arbre, il a une certaine importance, une certaine distinction. Il n'est pas, c'est pas un arbre parmi plein. C'est pas comme ça que ça se passe dans la plupart des arbres. Chaque arbre, il a son importance. Chacun, il est distingué de l'autre. Ils ont au minimum entre 4 et 8 mètres d'écart entre deux arbres, pour ne pas qu'ils vont puiser un effort du terrain de l'autre, et tout ça, il y a de la robe bien. Il y a des conditions très différentes entre les arbres et le blé. De là, va découler une différence fondamentale. C'est déduit d'un passouk. D'abord, je vais jeter l'idée générale. Puisque moi, maintenant, mon champ d'olivier, il y a au total, j'ai un terrain, j'ai peut-être, moi, je sais pas moi, 8 oliviers, 10 oliviers à cueillir. Chacun, dans ma tête, il est distingué, d'accord? C'est pas, j'ai pas plein d'olives. Du coup, il y a quelque chose de spécial qui va se passer. C'est que très facilement, si j'ai un olivier qui est défini par un qualificatif bien spécial, il y a un olivier qui se distingue, il y a le super olivier là-bas qui donne des super olives. Ouais, chacun, il y a une distinction. S'il y en a un entre eux qui a une distinction particulière, il s'avère que maintenant, si j'ai cueilli tous mes oliviers, et que j'ai laissé celui-là, cet olivier qui est très distingué, qui a une singularité bien particulière, un nom spécial, retenez le principe, un nom particulier. C'est le point essentiel que la Michelle va mettre en exergue. Donc, il y en a un qui a un nom particulier, même si sur le coup, j'ai cueilli les oliviers, j'entre à la maison, et mon fils va me dire, papa, comment c'était accueilli? Ouais, c'est super. Et l'olivier qui donne des super olives, qu'est-ce qu'il a eu? Ah, l'olivier, puisqu'il a un nom particulier, je ne l'oublie pas. Je pense à lui constamment. Il garde dans ma tête, il est distingué. Il est d'une certaine manière, si je peux rajouter, c'est plus précisé, mais c'est moi qui le rajoute pour mieux comprendre. C'est comme si c'est un champ particulier. Imaginez, la Torah m'a imposé de, lorsque tu cueilles ton blé, si tu oublies tes épis, tu les laisses. Mais imaginez que je devais particulier trois champs distincts. Et en fait, je n'en ai cueilli que deux. Est-ce que sur un champ entier, il y a le nom de... C'est pas que tu as fait une shichera. À part la quantité, laissez le côté de la première quantité. Est-ce que tu comprends que la Torah a dit, lorsque tu cueilles ton champ, tu laisses une partie. Mais si tu es particulier des champs et tu as laissé un champ c'est quelque chose de bien distinct, il n'y a pas de shichra sur un champ entier. Il y a shichra sur des épis. Mais un champ entier, il a c'est une entité distincte et tu penses à elle spécifiquement. C'est pas quelque chose que tu oublies, tu t'en rappelleras forcément. D'accord? C'est pas un olivier parmi 10. C'est un olivier qui a un nom particulier. D'accord? C'est le principe de la Mishnah. Et la Mishnah, elle va entrer dans plein de considérations à considérer pour donner un adjectif particulier sur un olivier. Donc on a Kol Zaït Sheyesh Lo Shem Basadé, tout olivier qui a un nom particulier, un nom distingué, c'est pas un parmi tous, c'est l'olivier abondant,
C'est l'olivier misken qui fait de la peine. C'est l'olivier, ouais. Alors, afilouke zeitan etofa bechato, même si c'est un olivier qu'on dit, ah, c'est l'olivier qui nous donne de temps en temps de la super huile, parce que les oliviers, en général, tu ramasses 1 kg et tu tires 300 ml d'huile. Mais un olivier sur 1 kg d'olive, il va te faire 800 ml d'huile. On l'appelle zeitan etofa, l'olivier abondant qui te donne plein d'huile. Ushracho, il a oublié cet arbre-là, et no shichecha. C'est pas considéré comme une shichecha. Comme il dit le Barthénora, le shachata omer basade, omer shata shochecho leolam, yatseze shata zochro leacharzman. Le omer que tu dois oublier, c'est un omer que tu oublies, et puis après il tombe aux oubliettes. Mais un olivier qui est important, il tombe jamais aux oubliettes. Après, tu auras une pensée particulière pour lui, s'il a un nom spécial. D'accord? Maintenant, bamidva mamorim, dans quel cas ça a été dit qu'il a un nom spécial? Soit parce qu'il est bichmo, soit parce qu'il a un nom particulier, il a une forme bizarre, on ne va pas dire la forme, mais je le rajoute, c'est sûr que c'est vrai. Ou bien massa, ou encore par sa production, ou bien comment bien par sa localisation. Bichmo, c'est quoi par exemple? Il a un nom particulier. Shaya Shifroni, il te donne, il déverse de l'huile. Ou encore Bishani, il est honte, soit il fait honte aux autres parce qu'il est tellement, il te donne tellement des olives grosses. Ou encore, c'est lui-même qui a honte parce que tous les oliviers donnent plein, lui donne rien du tout, il donne très faiblement. Ou encore Bema Asav, il est distingué par sa production. Chevo, c'est Arbe, parce qu'il fait beaucoup. Bimkomo, encore par ça, son lieu, sa localisation, que quoi? Chevo, Med, Betsad Agat, ou Betsad Afirsa. C'est l'olivier qui est à côté du pressoir, ou c'est l'olivier qui est à côté de la barrière. Par contre, ou Charkolazetim, par contre, tous les autres oliviers. D'accord? Donc ça, on a fini l'histoire avec l'olivier qui a un nom particulier, une distinction particulière. Maintenant, Ushar Kolazim, par contre, tous les autres oliviers, qui ont un parmi tant d'autres, Shnaim Shichecha, Shlosha Gam Shichecha, selon le même principe, deux oliviers oubliés, tu en avais 10, 15, 20, 30 à accueillir, tu as sauté même deux oliviers, c'est une Shichecha. C'est une Shichecha, parce que deux oliviers, deux arbres entiers, à condition qu'il n'y ait pas la quantité qu'on avait vue là-bas, avec les deux CA, bien sûr. Ouais, imagine, c'est des petits oliviers. Je ne sais pas combien ça donne un olivier, mais maître, j'ai aucune idée combien ça donne. C'est très salissant. Il y a des oliviers à Rabot, enfin, à côté de chez moi, quoi. C'est très salissant. Quand ils donnent leurs fruits, ça tombe par terre. On voit que ça fournit beaucoup. Donc, en tout cas, imagine que tu as un olivier indépendamment, où chacun est ensemble selon la croquette qu'on avait vu en haut, qui ne te donne pas deux CA. Donc, deux oliviers oubliés, c'est une Shichecha. Par contre, Shalosh, en un Shichecha. Trois oliviers, c'est pas une Shichecha. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi nous dit non, en Shichecha, les Zidim. Il n'y a pas de shichecha pour les oliviers. Pourquoi? C'est lié au même principe qu'on a évoqué, mais avec une extension et un cas particulier. Comme il nous dit le Barthénora, il y avait une époque, à l'époque de... quand il y a eu Adrianos, il marche mauvais zéro, l'empereur Adrien, qui est venu, qui a fait ses ravages, qui a détruit le Beth-Amikdash et tout ça, un pétard surtout, et il a tout détruit, et du coup, il restait plus d'oliviers. Et plus d'arbres fruitiers tellement. Donc chaque arbre, les oliviers spécialement, apparemment, c'est spécialement sur les oliviers. L'ayosetim metsuin. Il n'y avait plus beaucoup d'oliviers qui restaient. Du coup, chaque olivier, on avait une intention spéciale. Comme si chacun il avait un nom spécial. Tu sais, moi, dans ma tête, je sais pertinemment que j'ai 8 oliviers, un comme ça. Chacun il a son importance à mes yeux, même s'il n'a pas un nom particulier, mais chaque olivier il a son importance. Du coup, c'est pas un oubli. Mais par contre, à notre époque, où les oliviers sont tous redevenus abondants, je vous ai dit qu'à côté de chez moi, là-bas, il y a un endroit là-bas où il y a un terrain où il y a beaucoup d'oliviers. Je suis incapable de dire combien il y en a. Peut-être qu'il y en a 7, 10, je ne sais pas. Quand on marche, tous les 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, on compte un olivier. Je ne suis pas capable de vous dire combien. D'accord? Donc du coup, là, un olivier, ça devient un parmi tant d'autres, tant qu'il n'a pas un nom particulier. Mais si chaque olivier il a son importance, parce que c'est une denrée tellement rare que chacun a son importance, alors dans ce cas-là, il n'y a plus de chercheur sur lui. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.